bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans le sixième épisode des souvenirs d'enfance. Alors voilà, oui, vous avez bien vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Sonic 3D, le Flying Flicky Island. Voilà, je retiens jamais le titre parce que pour moi c'est Sonic 3D. Et je crois que la plupart des grands fans de Sonic n'ont rien à battre de cette vidéo, enfin du jeu en général. Donc le Sonic Flicky Island, voilà, moi je l'avais connu sur Mega Drive. Le jeu était également sorti sur PC et sur Saturn à l'époque. Bon, après il est disponible sur plusieurs compilations. D'ailleurs, un jeu que je ne possède pas en Mega Drive, et un petit peu comme le Alex Kidd qui était que je vous avais fait via la compilation Alex Kidd & Co. Bon, il existe sur PlayStation 3 et sur Xbox 360, donc la méga collection Mega Drive avec plus d'une trentaine de jeux Mega Drive, et justement le Sonic est à l'intérieur. Donc aujourd'hui, ben voilà, on va se lancer dans le Sonic 3D. Sega. Ah, ça m'a toujours fait rire le truc. Alors là, cinématique toute malade. C'est vrai que c'était du 3D pourri en fin de compte. Là, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, et le jeu est sorti en 1996, donc en 1996. Là, je vais redire un petit peu plus en parler belge, parce qu'après des fois je m'embrouille dans ma tête. Voilà, coucou à Fabjol qui m'a dit ouais, te casse pas la tête avec les trucs en français, mais bon, c'est vrai que j'ai pris l'habitude pendant 2-3 ans à le dire, donc du coup, des fois ça sort tout seul sans le vouloir. Donc alors, Sonic 3D, start, ok. Donc voilà, on a des espèces de petits, des flinkies, hein, là, des petits oiseaux qui voyagent dans des mondes parallèles, ils passent à travers des anneaux dimensionnels. Et du coup, ben, le docteur Robotnik, il a trouvé ça cool, donc il a attrapé tous les petits flickies pour les transformer en robots, voilà, comme vous voyez là. Et du coup, ben, nous, on va devoir, en plus, regardez, il vous montre ça en tutoriel, c'est magnifique, on va devoir aller tuer les ennemis pour leur redonner leur forme originale. Voilà, et après passer dans les anneaux Voilà, pour les ramener dans leur monde. Voilà, je bafouille et c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors un jeu de Sonic 3D isométrique. Alors voilà, à l'époque, même sur NES, j'avais beaucoup de jeux en 3D isométrique. C'est pour ça que moi, j'avais bien aimé le jeu. Bon, là, voilà, je suis avec la manette 360. Du coup, avec le stick, c'est la merde. Et le pavé numérique, enfin, la croix directionnelle, c'est pas top top non plus. Alors voilà, quand je disais au début, les fans de Sonic ou de Sega, ils vont rien en avoir à foutre. Voilà, c'est vrai que Sonic, c'est un jeu de vitesse, et voilà, on peut regarder déjà le tout premier sur Master System, que même moi j'avais connu, avant de connaître le Sonic même sur Mega Drive. Mais voilà, c'est des jeux qui ont de la vitesse, et quand tu te lançais, tu te disais, allez, il me faut un ressort, un machin, pour pas stopper, en fait, arriver d'une traite au niveau, c'est vraiment faire du time-up. Donc alors, les ennemis, il faut leur sauter dessus, mais avec les commandes, c'est un peu chelou. Voilà, on rattrape le petit Flinky. Hop. Alors du coup, celui-là, on n'a pas la vitesse, mais moi pour l'époque j'aimais bien. Ah là, il y a un mur caché. Regardez, ça c'est bien, c'est comme à la... Allez merde, comme à la Zelda. Wouhou. Mais voilà, j'avoue que le pavé Mega Drive est peut-être meilleur à jouer. Faudrait que je réessaye à l'occasion. Quand je récupérerai le jeu. Les gars, si voilà. Si vous possédez ce jeu, puisque les grands fans de Sega vous diront que c'est du caca, eh ben voilà, envoyez-le moi. Geek et Gaming. Voilà, ça me ferait très plaisir. Surtout que la boîte Mega Drive, elle est vraiment classe. Elle est noire avec juste le logo. Est-ce que j'ai encore le petit flicky sur moi? Ah voilà, il est là. Parce qu'il faut les ramasser en plus, hein, voilà. Si je me fais toucher, bon, je vais pas le faire exprès de me faire... Voilà, bah, je me suis fait toucher. Bon, là, les petits Flinky sont restés près de moi, mais des fois, ils s'éparpillent autour de Sonic. Et voilà, ça m'est déjà arrivé sur des parties de devoir rechercher après tout le niveau parce que je les ai perdus. Donc voilà, les écrans de télé, bah, ça nous donne les protections comme... Allez, ça pète pas, ça. Ah, voilà. Merde. Comme dans les Sonic 2D classiques. Voilà, ça, c'est rien. Alors, il manque un petit ennemi. Non, deux encore. Il en manque deux, donc on le voit en bas à droite de l'écran. Hein. Alors je vais déjà reporter ceux-là, comme ça si je me fais toucher, je ne les perds point. Alors, est-ce que je les ai oubliés, moi? Ah bah regardez, il y en a un là, en plus je suis passé devant, c'est pas grave.
quand je fais une vidéo que je raconte ma vie, regardez l'autre là, j'oublie plein de trucs. Voilà, donc on récupère les deux derniers. Bon, on va aller directement. Hop. Et on va sur le machin. Hop. C'est un peu la seconde partie du niveau, on va dire. Ah merde. Et comme, comme presque tous les Sonic classiques, le jeu est composé de 7 zones différentes. Ah non, tombe pas. Oula, de 7 zones différentes, plus une zone finale avec le boss. Oh, Ludo, tu fais de la merde. Je confirme. Ah, il est là, voilà. Que c'est moi qui fais de la merde. Le jeu est très très beau et très très... Il est beau et franchement, pour là du coup, c'est une version émulée sur la compilation Mega Drive. Sur 360, mais le jeu est magnifique. Alors vous pouvez mettre l'écran en plein écran, voilà, ça c'est tout dégueulasse. Ou alors on peut mettre l'écran, enfin vous ne le voyez pas ici puisque je l'ai implanté dans mon montage, mais on peut mettre, voilà, le jeu est en 4:3 avec un beau contour à la Sonic rouge et des petites pièces. Voilà, je vais pas vous dire que je vais essayer de vous le montrer à l'occasion, parce que je ne le mettrai peut-être pas dans le montage. Ah merde, j'ai pris une télé qui accélère. Une télé, un écran, je sais pas comment on appelle ça, mais ça s'appelle la 2. Passons. Oh, une vie. Voilà, alors là, c'est les petits flimkies. Vous voyez, quand je saute, les flimkies prennent de la distance, hein, de la hauteur. Merde, et c'est eux qui... Oh, mais merde. Je regarde s'il y a rien, en fait, parce que si je les oublie, je vais devoir retraverser le niveau. Donc, il en manque deux. Alors, c'est par ici... Et la musique est paisible, tranquillou, tranquillou. Hop, voilà. Allez, viens ici. Voilà, mais ça, je pourrais m'éclater. Ah non, là-bas, c'est remonté d'où qu'on en est, ok. Par là, c'est derrière, ok. Voilà, je pourrais m'éclater une journée là-dessus, moi, tranquille. Hein. Rusher le jeu, le finir. Voilà, parce que c'est un jeu que j'ai... Bah, il faut sûrement descendre par là. Ah, Tails. Voilà, on peut rencontrer Tails ou Snuckle dans le jeu. Voilà, enfoiré, il m'a gratté mes pièces. Si vous possédez 50 pièces, vous arrivez dans une warp zone. Alors, j'aurais bien voulu vous en montrer une, mais bon, c'est pas grave. Et si vous n'avez pas 50 pièces, ben, vous avez vu, il me les gratte et voilà. Alors, du coup, on est revenu au tout début du niveau. Oh là 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 là. On s'y perd vite. Hein. Bon, évidemment, il faut pas rattraper les oiseaux. Enfin, les 5 premiers du début, voilà, on passe ici. Bon, il m'en manque. Oh, j'ai perdu, les gars. Je recommence où, voilà. Voilà, où ce que j'étais. Sauf que je dois rattraper les 5 petits oiseaux, les 5 petits flimpy. Alors, attendez, on va bien repasser la zone ici pour être sûr qu'il n'y en a pas. Donc, à celui-là. Après, voilà, je me suis fait tuer. C'est parce que c'est comme tous les Sonic. Tant qu'on possède des pièces, ben, on meurt pas. Et là, j'avais pas de pièces. Ah, ces trucs de saloperie. Tout veut nous tuer dans ce jeu. Mais regardez, voilà, c'est encore Sega à l'époque, comme je disais dans Alex Kidd, même si c'était la Master System. Mais voilà, c'est des jeux plein de couleurs, Sonic et tout. Voilà, la Mega Drive, c'était plus de couleurs que la Nintendo pour moi à l'époque. Parce que même la Super Nintendo... elle avait plus de couleurs bien sûr, mais par rapport au jeu Mega Drive, voilà, on prend Aladdin par exemple, hein, j'avais fait une vidéo pour comparer les deux, ben, c'est le même, le Aladdin sur Mega Drive, il est blindé de couleurs, il est beau, il est magnifique justement pour un Disney, pour Aladdin. Mais voilà, j'aime bien la version Super Nintendo. Ben, allez voir ma vidéo, vous verrez mon point de vue, voilà, sur les deux versions. Voilà, attendez, je suis en train de tourner en rond. Oh merde. J'ai des pièces, c'est bon. Ah ouais, j'avais la truc de protection. Voilà, donc le pont par ici. Ok. Est-ce que j'ai oublié? Ah, il est là, voilà. Ça, c'est le 3... Merde, c'est le troisième que j'avais pris tout à l'heure. Vous voyez, je me suis fait toucher. J'ai un flinky, deux flinky, j'en ai paumé un. Voilà, et personne ne me l'a dit. Hein. Du coup, voilà, on peut chercher après flinky dans la carte. Est-ce que je me suis fait toucher? Non, je voulais aller voir s'il y avait une vie, mais il n'y a pas besoin de vie. Voilà, on ne va pas faire une vidéo trop longue de toute façon, mais j'aimerais bien arriver au deuxième monde et vous battre, enfin battre le premier boss, justement. Bon, on a perdu Flinky, les gars, on en a que deux.
On va prendre ça. On a le quatrième qui est là, mais on en a paumé un. On va remonter au-dessus, je l'ai paumé. Voilà. Ah bah regardez, je l'ai ramassé, bon il était là. Si moi j'ai su le voir, vous avez su... Non, remonte pas, remonte pas. Si moi j'ai su le voir, vous l'avez vu sur la vidéo, enfin sur la capture. Voilà, donc il en manque plus que un. Il en manque plus que un. Non! Non, toi, il me volera pas mes pièces de toute façon, voilà. En fait, ouais, ok, le Tails il est dans la... Le Tails il est dans la fin du... Dans une zone cachée qui nous remène au début, ok. Donc, si j'arrive à Tails, il faut pas que j'aille là. Alors là, vous êtes en train de vous dire... oui, Sonic, c'est un jeu qui est censé aller vite, et là, ça fait au moins 10 minutes que tu joues et t'es toujours au premier niveau. Ouais, c'est la classe. On a perdu des Flinty, là, ils sont... Ah, et là, voilà le cinquième ennemi, c'est magnifique. Enfin, le cinquième ennemi, c'est un petit Flinty qui est transformé. Hein. Voilà. Téléportation activée. Bon, regardez, on a fait 6 minutes 19, donc c'est magnifique. Voilà donc partie 2 de la zone. Il y avait la partie 2 du premier monde, là, parce qu'il y a 10 oiseaux par monde, voilà, par partie. Donc là, on va refaire 10 oiseaux, je pense, et après, on va arriver à Robotnik. Et voilà, j'aimerais bien faire la vidéo jusque-là. Voilà, deux petits Flinky. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Comme ça, on se fait pas toucher. Ah, mais vas-y, ramasse-la. Et là, non, le stick, c'est pas bien. En fait, des fois, j'ai mon doigt sur le stick et des fois, j'ai mon doigt sur la croix directionnelle. En fait, ça va mieux sur la croix directionnelle. Et c'est un tic de le mettre sur le stick. Regardez, il y a des vies partout. Bon, je la ramasse pas. Hop, en voilà un. Voilà, trois petits Flinky. Le quatrième doit pas être loin. Là, en voilà un, voilà. Et le dernier, on va prendre les... On va prendre ça. Protection. Allez, allez, allez. Je me dis, c'est peut-être déconné de vous présenter ça, mais... Bah, là, le dernier. J'aime bien y jouer de temps en temps, voilà. J'y joue pas tous les jours, hein. Je suis pas un grand... Mais voilà, j'aime bien le jeu, et puis je l'ai eu dans mon enfance, j'ai passé des heures et des heures à l'époque. Donc il devait être présenté dans cette émission. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Waouh, regardez les magnifiques loopings en 3D, jamais t'avais vu ça. Alors le Snuckle, vous voyez, ah oh, merde, voilà, j'ai 49 pièces. Bon, alors même si la vidéo dure un petit peu plus longtemps, c'est pas grave. Je vais ramasser une pièce, attendez, voilà, une pièce, voilà. Pour vous montrer le niveau bonus avec Knuckle. Et il y en a un par niveau. Voilà, donc, défi, collecter 50 rings, donc 50 pièces. Bon, alors franchement, on ne peut pas perdre. Enfin, on peut pas perdre. Je le ferai exprès pour la vidéo. Voilà, j'en ai au moins 50 et voilà, il y a un checkpoint dans 1000 ans. Ben là, voilà. Zero to go, c'est parce que c'était à la moitié de la zone ou un truc, voilà. Alors ici, j'ai vu combien? 100, je pense, mais ça cumule, hein, donc voilà, j'en ai 100. Voilà, c'est des petites zones, voilà, zero to go, voilà, parce que j'avais déjà les 100. Voilà, donc 150, et voilà, regardez, je les ai déjà. Et même à l'époque sur Mega Drive, c'était... Parce que moi j'ai joué sur Mega Drive, voilà, j'y ai pas joué sur Saturn. Ni sur PC à l'époque. Donc et voilà, on ramasse les Chaos Emerald, voilà, il y en a 7. Voilà, la seule musique qui n'a pas changé. Oh, oh, ça c'était vraiment la loose, heureusement on recommence. Ah, j'allais dire, voilà, on commence ici. Ça fait musique de plage, de vacances. Bon, on n'avait pas vu le premier tout à l'heure, non?
fâché, je l'ai oublié pour redescendre. Allez, un petit flinky. Hop. En plus, on est obligé de... Ah ouais, il y a souci aussi. Voilà, faut se mettre au milieu et sauter. Des petits flinky rouges. Alors ceux-là, c'est les pires. Voilà, si par exemple, ils s'échappent comme tout à l'heure. Ceux-là, ils font des bons comme ça. Je bing. Et s'ils sont en l'air, on peut pas les ramasser. On peut pas les rattraper. Du coup, c'est la galère et mieux vaut pas les perdre. Moi, je vous le dis. Allez, mon petit. Trois petits flinky. Ah, oh. Putain, c'est la musique accélérée, c'est déconné, c'est votre flipper. Allez, hop. Protection de feu. Voilà. Ouh, le dernier doit pas être loin. Deux, il en faut encore deux. Ah, il y en a un sur moi ici. Ou c'est celui qu'on a eu tout à l'heure. Ah ouais, ok. Ah bah par le pont, ok, voilà. En voilà un. Vous allez voir l'infâme Robotnik. Et voilà le dernier, magnifique. Ah et le monde 2, je crois que ouais, c'est le monde 2, il est vraiment hard de chez hard. A l'époque, je pense que j'ai eu fini le niveau 2, mais voilà, jamais terminé le jeu. Oh putain, il n'y a pas encore ça. Et de 1... Alors ça, c'est pas des ennemis. Hop, ah, maintenant 2... Prendre des pièces, toujours avoir des pièces. Et ben voilà, de toute façon, ils sont jamais loin, voilà, c'est... Ouh, tout juste. Poc. 4 et... Et le cinquième. On va prendre une vie pour le fun. C'est pour l'infâme docteur Robotnik, au cas où j'arriverai plus à le battre. Celui-là, j'ai fait une petite partie, là... Ouais, la quoi, la 2 semaines, un truc comme ça. Et c'est là que j'ai... Bah, c'est un petit peu avant que je lance les premiers souvenirs d'enfance, voilà. Au début, je voulais le taper en toute première vidéo, j'ai fait une partie, puis pour finir, j'ai fait, ouais, non, Sonic 3D, ce sera pour plus tard. Et voilà, et ça a été une bonne semaine après que je me suis décidé à faire le truc. Donc voilà, l'infâme Robotnik. Ah, souvent, je dis, j'ai remarqué dans mes vidéos, je dis le truc. Alors bon, je vais essayer de plus le dire, c'est pas trop compréhensible des fois, merde. Donc en gros, il balance son truc. Putain, 3D. Et au moment où il vient le ramasser, ben, il faut, faut lui sauter dessus. Mais voyez, des fois, voyez, en plus, il sait mieux que son truc tombe ici, par exemple, voilà, en profondeur. Comme ça, je monte en hauteur. Ah, ben merde, trop tard. Ah ouais, c'est la galère. Voilà, là, t'es bien. Voilà, 2 fois. Alors, je pense que c'est 3 fois ou c'est 5 fois, parce que je ne sais plus entre tous les jeux. Mais je crois que les Robotnik, c'était 5 fois. À la différence des Mario, parce qu'il fallait toucher Bowser 3 fois. Ah non, il est en hauteur, ça va être chaud. On va quand même tenter. Non, ça va pas toucher. J'ai même pas de pièce, moi je suis un fou. Allez, on va ramasser une pièce parce que... Ouais, j'étais fou. Vous me le dites même pas les gars que j'ai pas de pièce. Les types, ils sont fous. Enfin, pas vous, hein, mais moi. Waouh. Ouais, mais là, je déconne. Eh, c'est hard, hein, franchement. Ouais, mais c'est ça, il le touche même pas. Attendez, il me fait des pièces. Oh, il va chaque fois se mettre en hauteur. Oh, je l'ai quand même touché. Mais le premier coup que je l'ai porté, je crois que c'était aussi, il était en hauteur. Bah, donc, il faut le toucher 5 fois. Allez, mon petit, on n'a pas le temps. Waouh. On n'a pas le temps pour la vidéo, et en plus, je vous fais cette petite vidéo un peu à l'arrache, parce que je sais qu'il faut une petite 20aine de minutes pour faire la vidéo. Et après, je dois me casser, donc il doit mourir. Voilà, on l'a eu, les gars. Yes! Donc voilà, fin du 3e acte. Voilà, c'était des actes, parce que j'avais plus de mots au début.
Donc il y a trois actes et il y a sept zones. Donc voilà, la zone numéro 2, voilà, c'est en fait c'est le temple des ruines. Alors là, c'est un truc, je veux juste vous montrer. Voilà, il y a des espèces de ventilateurs comme ça qui vous font vous déplacer dans le niveau pour détruire des piliers. Et alors, il y a des endroits où en fait vous pouvez pas vous faire toucher, vous devez descendre ici pour aller casser des piliers qui sont un peu plus bas. Bon, c'est peut-être dans l'autre sens, mais. Et c'est un truc de fou, les gars. Alors, c'est vrai que ce niveau-là, à l'époque, je pense que je l'avais déjà terminé. Mais c'était vraiment dur. Donc voilà, on va quand même sauver un petit flicky pour le fun. Voilà, c'est évidemment, évidemment, on ne met pas les 5. On ne peut pas rentrer dedans, donc regardez un petit peu le truc de fou. Voilà, il faut se transformer. Je sais qu'il faut descendre des escaliers comme ça, sans se faire toucher pour descendre, enjamber tous les S. Voilà, c'est un truc de fou, les gars. Vous voyez, je dois passer par ici pour redescendre par là sans me faire toucher et venir détruire les piliers ici par exemple hein, pour avoir Tails. Mais voilà, c'est un niveau comme ça, un truc de fou les gars. Donc voilà les amis, un Sonic 3D Flunky Island, hein, donc moi j'ai connu à l'époque sur Mega Drive. Alors donc comme je disais au début, hein, vous pouvez retrouver le jeu sur la compilation Ultimate Mega Drive, voilà. Elle existe sur Xbox 360 et elle existe sur PS3 aussi. Donc voilà, il y a plus de 30 jeux sur la compilation et voilà, du pur bonheur de rétro gamer, comme on dit. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, surtout si, voilà, qui d'entre vous a eu ce jeu à l'époque. Enfin, il y en a beaucoup qui l'ont eu, mais qui ne l'a pas jeté directement dans sa poubelle, hein, les grands fans de Sonic. Et qui a terminé ce jeu à l'époque, voilà, dites-moi si vous avez aimé ou pas, et si vous kiffez encore à aujourd'hui même ce jeu. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et ciao ciao les amis.